Nous sommes de retour à Rodez, dans les locaux de l'entreprise Club Langue et Civilisation, spécialisée dans les séjours linguistiques. Cette entreprise, depuis 3 ans maintenant, utilise la fibre optique et ça a révolutionné son mode de fonctionnement. Reportage. Avec 110 postes informatiques, l'entreprise ruthénoise Club Langue et Civilisation est une utilisatrice intensive d'Internet. Chaque année, elle fait voyager 80 000 scolaires, autant de dossiers qu'elle prépare sur le web. Depuis 3 ans, elle s'est mise à la fibre optique, son débit est passé de 3 mégaoctets à bientôt 20. Nous donnons de plus en plus d'informations à nos clients en termes de fichiers, de photos, d'informations sur leur voyage, séjour linguistique. C'est une demande au niveau de notre public qui veut avoir de l'information, mais aussi un contenu riche, pas uniquement une date et une heure. Ils veulent des photos, ils veulent des contenus riches qu'ils pourront exploiter pour préparer leur séjour linguistique à l'étranger. La fibre optique, c'est le choix qu'ont fait 53 entreprises du Grand Rodez. Pour les aider, l'agglomération a fait appel à un opérateur d'opérateurs, Net Grand Rodez, depuis 2009. Il conseille les professionnels. C'est une fibre de verre où à l'intérieur de cette fibre, on fait passer un faisceau lumineux. Et ce faisceau lumineux va permettre d'avoir le débit que l'on souhaite. Net Grand Rodez apporte aux entreprises la fibre optique symétrique avec un débit garanti. Donc c'est une fibre également qui est dédiée de A jusqu'à Z, depuis Paris jusqu'à Rodez, jusqu'à l'intérieur de l'entreprise, à des certains termes. Et on la rapporte donc des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 mégas, jusqu'à 1 giga par rapport à la vitesse qu'ils ont besoin. Le champ d'activité de Net Grand Rodez est limité aux 8 communes historiques de l'agglomération, soit 19 parcs d'activité. Et le plus est incontestablement le temps de réactivité en cas de panne, 4 heures pour rétablir le réseau, de quoi faire rêver les particuliers des zones blanches. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo suivie de vos actualités nationales. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.